Au cœur de Fort Detrick se trouvait un laboratoire secret, une installation de haute sécurité où les scientifiques travaillaient sans relâche sur certains des agents pathogènes les plus dangereux connus de l'homme. C'était un lieu de recherche de pointe, un pôle d'activité où scientifiques et chercheurs du monde entier venaient travailler sur certains des plus grands défis auxquels l'humanité était confrontée. Mais sous le vernis du progrès scientifique se cache une sombre vérité. Le laboratoire de Fort Detrick était un lieu de secret, où la frontière entre le bien et le mal s'estompait. Les scientifiques qui y travaillaient étaient chargés de créer des armes mortelles, des maladies qui pourraient facilement anéantir des populations entières. L'un des principaux scientifiques de l'installation était le docteur Ana Reyes, une brillante virologue qui avait passé sa vie à travailler sur certains des agents pathogènes les plus dangereux connus de l'homme. Elle était connue pour sa concentration et son dévouement intense à son travail, mais même elle a commencé à avoir des doutes sur le travail mené à Fort Detrick. Au fil des années, le docteur Reyes est devenu de plus en plus perturbé par le travail qu'elle faisait. Elle a regardé ses collègues expérimenter sur des animaux, les infecter avec des virus mortels et les regarder souffrir et mourir. Elle a vu les efforts qu'ils feraient pour créer l'arme parfaite, et elle a commencé à réaliser que le travail qu'ils faisaient était non seulement contraire à l'éthique, mais profondément faux. Enfin, le docteur Reyes n'en pouvait plus. Elle a confronté ses supérieurs, exigeant qu'ils mettent fin au travail qu'ils faisaient. Mais ils ont refusé d'écouter, invoquant des préoccupations de sécurité nationale et la nécessité d'une défense solide. Déterminé à mettre fin à la folie, le docteur Reyes a commencé à rassembler secrètement des preuves des atrocités commises à Fort Detrick. Elle a travaillé sans relâche, rassemblant des documents et prenant des photos clandestines des expériences menées au sein du laboratoire. Enfin, elle avait suffisamment de preuves à apporter à la presse. Elle a révélé la vérité sur les travaux menés à Fort Detrick, exposant les terribles secrets qui avaient été cachés dans ses murs pendant si longtemps. Les retombées ont été immédiates et dévastatrices. Le gouvernement a été contraint de fermer le laboratoire et d'ouvrir une enquête sur le travail qui y avait été fait. Le docteur Reyes est devenu un héros, célébré pour sa bravoure et son dévouement à la vérité. Mais pour le docteur Reyes, les cicatrices de son séjour à Fort Detrick ne guériraient jamais complètement. Elle savait qu'elle avait joué un rôle dans la création de certains des agents pathogènes les plus meurtriers connus de l'homme, et elle ne pourrait jamais oublier les horreurs qui avaient été perpétrées au nom de la science. Elle a quitté le domaine de la virologie, déterminée à passer le reste de sa vie à travailler pour un avenir meilleur et plus éthique pour l'humanité.